Bonjour à toutes et à tous sur YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouveau sujet de discussion en direct Twitch avec les GOAT présents sur le chat qui vous passent le bonjour. Et aujourd'hui, en anticipation du nouvel album de Drake qui sort normalement ce vendredi, donc For All The Dogs, on va se demander, mais quel est le meilleur album de Drake? Parce que là, quand même, ça en fait beaucoup. Hein. Ça en fait beaucoup. Hein. Si on regarde Her Loss, Honestly Nevermind, Certified Lover Boy, Scorpion, More Life, Views, What a Time to Be Alive, If You're Reading This, It's Too Late, Nothing Was the Same, Take Care. Bon, après, il y a Thank Me Later et So Far Gone, mais si quelqu'un veut les citer, on se dit un meilleur projet de Drake. Voilà. Donc, quel est le meilleur projet de Drake parmi tout cela, en sachant que du coup, So Far Gone est sorti en 2009 et Her Loss en 2022. Donc, quand même, ouais, 13-14 ans de carrière. Donc, pas mal. Moi, je vais rapidement vous donner mon top album Drake. Donc, bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est Nothing Was The Same. Je pense que c'est le top 1 de beaucoup de personnes. C'est un peu à ce moment-là qu'on l'a un peu tous pris au sérieux au niveau du rap. Dessus, je trouve que c'est là où, c'est sur ce projet, parmi tous ceux de sa carrière pour moi, où il réussit le mieux à tenir un album. Il y a quelques sons que je passe, mais c'est le projet sur lequel je passe le moins de sons. Et puis, il y a deux singles quand même stratosphériques, hein, Started From The Bottom et Hold On, We're Going Home. Mais ce qui est bien dans cet album, c'est que voilà, pour moi, il se trouve au niveau du rap, il trouve sa formule. Ce côté hybride, il est perfectionné là-dessus. Et puis, il y a des morceaux de fou aussi quand The Language... si tu prends voilà, la Deluxe aussi, tu as The Motion. Donc tu as des top morceaux, des top carrières. Wu-Tang Forever, Further Thing, Worst Behavior. Donc il y a du banger, il y a des sons un peu plus cool. Bah évidemment comme Hold On, feat avec Jay-Z, Pound Cake, Paris, Morton Music 2, enfin bref. Donc pour moi c'est son meilleur album. Celui qui se rapproche le plus d'un excellent album. Ah oui, c'est vrai que, excusez-moi, il y a effectivement, si vous voulez, qu'on peut les prendre en compte aussi. Care Package, mais il y a... Ouais, bon, allez, on va les prendre en compte. On va tous les prendre en compte. Care Package, sorti en 2019. Et Dark Lane Demo Tapes, sorti en 2020. Donc voilà, 16 projets du coup, si je ne m'abuse. C'est quand même pas mal. Et du coup, on va commencer à prendre vos avis. Vas-y MFA, tu peux... Ouais, juste, il n'y a personne. Je crois que les gens, ils n'ont pas le lien. Tiens, je te le remets dans le chat. Ouais. Alors, en attendant, je vais appeler une personne qui avait déjà participé sur Skype, qui m'a dit qu'il était chaud de participer. Let's go. Ah bah nickel. Allô? Salut, salut, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, super. Alors, est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort ou augmenter le micro? Moi, je... Enfin, j'ai mes AirPods, donc moi, c'est au max. Ah, ok, bon, bah ça va, ça va. Bon, moi, je vais mettre au max... Ok frérot, du coup ouais, tu nous avais déjà appelé. Juste rappelle-nous, tu t'appelles comment et t'as quel âge? Je m'appelle Samy, genre 24 ans. Ok. Bon, meilleur album de Drake? Alors je t'avoue, bon, comme tu le sais, enfin comme je t'ai dit la dernière fois, je suis fan de Drake depuis très longtemps. Et du coup tu vois, sur ces questions-là, je me suis posé vraiment très récemment. Genre c'est quoi le son que je préfère le plus? C'est quoi l'album que je préfère le plus? Tu vois, je pense qu'on peut se poser la question en tant que fan de Drake, tu vois. Bah, et je pense... maintenant avec la discographie qu'il a.
Bah, c'est ça, c'est qu'il est devenu vraiment polyvalent. Donc, tu vois, c'est en fonction des goûts de chacun. Donc, je pense que c'est pour ça que sur ce débat-là, tu vas avoir plein d'avis différents, je pense. Bah, j'espère, c'est ça le but. Ouais, c'est le but. Moi, je sais pas si je vais être un peu truc, mais pour moi, mon album préféré, c'est If You're Willing This Is Too Late. Genre, vraiment, je me suis. En fait, déjà, il y a mon son préféré de Drake, de sa discographie entière, c'est Jungle. Je Ok. kiffe trop ce son. C'est vraiment, je le trouve vraiment parfait. Et cet album-là, je trouve que c'était, genre, pour moi, c'est le prime de Drake, c'est 2015. C'est à ce moment-là, c'est pas 2013 pour moi, je pense. Je pense qu'il nous a tous choqués, comme tu as dit, il nous a tous mis d'accord avec l'album Nothing Was The Same, mais je pense que son prime, c'est 2015. Et je pense qu'il a réussi à créer une hype énorme autour de lui, grâce à cet album-là, parce qu'ensuite, tu as eu Views qui est sorti. Et la différence de vente entre If You Really Exist Too Late et Views, elle est titanesque. Je crois que Views est dans un top 10 des plus grands albums rap Ouais, il me semble en en termes termes de de. première semaine, on est sur quelque chose de très sérieux. Hein. 1 100 000, je crois, un truc comme ça, ou 1 080 000. C'est énorme, c'est dans le top 10, enfin des projets. Quand tu vois les projets à côté, t'as The Massacre, je crois, T'as ou t'as. 852 000. En première semaine? En première semaine. Attends. Non, 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 1 million 04, pardon. 1 million 04, Ouais. ouais. Qui est, quand tu les compares à côté des plus gros albums vendus en termes de rap, t'as Eminem avec, je crois, The Marshall Mathers LP, The t'as The Marshall Mathers Massacre et LP, The tout. Eminem Show, 50 avec Get Rich, avec The Massacre, t'as Carter 3 C'est de Lil ça. Wayne aussi. Ouais. Oui, non, ça fait partie des albums les plus vendus de l'histoire. Hein. Sur Ouais, une c'est ça. semaine, Après, ouais. est-ce que ça, c'est, est-ce que les stats reflètent l'album? Je pense pas. Malgré que je pense que pour moi, je pense que c'est l'album le plus travaillé de Drake, Views. Honnêtement, ça me choquerait pas d'entendre des personnes dire que Views c'est le meilleur album de sa discographie, parce que je trouve que c'est un album hyper travaillé, les prods sont grave différentes, genre c'est un Drake un peu différent. Et pour dire, j'ai même les albums sur lesquels j'ai hésité pour top 1 de mes albums préférés, c'est If You're Willing This Is Too Late et More Life. Je trouve que More Life est super sous-coté. Ce projet est vraiment, je trouve, il a une vibe super différente. Il est hyper intéressant, il est hyper travaillé aussi. On a eu des feats un peu inattendus. Et surtout celui de Kanye West, je m'attendais vraiment pas. Après, je sais que toi, t'as pas aimé. Genre vraiment, bah, j'ai revu ta vidéo sur More Life il y a pas très longtemps, j'ai Ouais, vu que t'avais vraiment mais pas par aimé. contre, le projet dans sa globalité, moi j'avais kiffé. Ah oui, non, Oh, oui, on est alors d'accord, hein, c'était quand je vraiment un beau t'ai. projet, hein. Ah oui, non, Toutes c'était les très ouvertures, sous-coté. c'était bien fait. C'était, ouais, c'était excellent. Alors, je comprends pas pourquoi d'ailleurs t'avais pas kiffé Glow sur de Kanye West avec Faudrait Drake. que je réécoute, frérot, je te cache pas que ça fait longtemps. Hier, je me suis relancé un Drake à la salle. Ce qu'on me l'a suggéré, Ouais. c'était If You're Reading This Is Too Late. Putain, mec, je le trouve tellement trop long cet album. Je suis désolé, hein, c'est ton top 1. Mais en fait, je le trouve trop long. Après, c'est une mixtape, hein. Donc Ouais, c'est je le ça. juge différemment, tu vois, c'est normal. Une mixtape, ça peut être très long. Ça me dérange. Enfin, je vais pas en vouloir à un artiste quand dans sa discographie il y a une ou des mixtapes que je trouve trop longues. C'est pas pareil, tu vois. Mais bon. Non, c'est sûr. Mais après, il a voulu, je pense, aussi prouver que t'as une coupure internet. Ouais, coupure internet. Du coup, vas-y, reprends, t'étais sur More Life, je crois. Non, en fait, je voulais te demander ton avis, toi, sur un truc. Parce Vas-y. que je t'avoue, j'ai pas eu de. Tu sais, t'as pas fait d'écoute de Darklane Emotake, je sais pas si t'as écouté. Je crois que j'avais fait peut-être en direct sur Twitch, mais j'avais pas enregistré, c'était juste comme ça. Et t'avais. T'en pensais quoi de cet Bah, album, toi? j'avais trouvé ça cool, tu vois. Il y avait des morceaux où ça rappait bien. Il y avait une ambiance où on n'avait sur certains morceaux pas l'habitude d'entendre Drake dessus. Donc, Ouais. c'était cool. Après, voilà, moi je l'avais pris comme un projet comme ça, tu vois, hors album, donc sans prise de tête également. Hein, que ça soit enfin, je pense dans sa conception et du coup dans l'écoute que j'ai faite aussi. Je me suis pas mis en mode vas-y. C'est le nouvel album de Drake, on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça vaut, etc. quoi. Mais j'avais trouvé ça cool. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le trouvent. Enfin, moi, perso, je le trouve sous-coté. Il y en a Ouais. plein qui le kiffent énormément. Genre, qui rentrent dans un top 3 pour certains. J'ai déjà discuté avec des gens, il y en a, ils le trouvent. Genre, mon frère, par exemple, il le met dans un de ses meilleurs albums. Et qui est fan de Direct. Drake aussi autant que moi, tu vois. Ok. Genre, c'est pour ça que genre, je voulais avoir ton avis, pour savoir ce que t'en pensais. Je le mettrai Mais. pas dans mes top 3, dans mes top 3 projets. Tu vois, Je moi je mettrais comprends. plutôt More Life et
Unlimited Views ou Take Care, parce que j'aime bien moi son côté hybride R&B pop. Mm-hmm. Mais c'était cool, c'était cool. Et Honest Nevermind, t'en penses quoi? Depuis l'écoute. Honest Nevermind, mec, c'est stratosphérique. Hein. Après, voilà, c'est stratosphérique, en tout cas à l'oreille, pour moi, qui suis une personne qui n'est pas non plus fan, passionné, et qui n'a pas écouté énormément de son de ce style-là, tu vois, de la deep house, de la house, etc. Donc peut-être que si tu fais écouter Honestly Nevermind à quelqu'un qui a l'habitude d'écouter ce type de son, il va te dire ok, c'est cool, mais vas-y, voilà, il s'essaye à un autre genre, c'est très bien, mais ça vaut pas ce que moi j'écoute au quotidien dans ce style-là. Mais en tant que personne extérieure, en tant qu'auditeur extérieur à ce genre, franchement, c'était lourd, hein. C'était lourd. Ouais, bah, je m'attendais pas du tout à ça. La prise de risque, elle est réussie. Franchement, je me suis écouté du coup quand j'étais parti en septembre au Mexique, le septembre qui suivait. Franchement, ça passe tellement bien en vacances, tu vois, avec le soleil, avec l'océan. Enfin bref. Bah, Hugo pense que c'est quasiment un no skip de ce qu'il a dit. Ouais, bah je pense, moi, il y a un morceau qui doit me gêner. Le son, tu sais, on entend le lit là, au bout d'un moment c'est relou. Ouais, c'est cringe, quoi. Ouais, et c'est tout, en vrai, hein. Y a que ça que je skip. Le reste, en vrai, ça. Le reste, vraiment, ça passe tout seul. Ouais, ça passe bien, ouais. Ok, bah écoute, franchement, en vrai, toi, c'est du coup, c'est Nothing Was the Same. Ouais, moi, c'est Nothing Was the Same. C'est celui sur lequel je reviens le plus. C'est celui vraiment qui m'a mis dans Drake en plus de ça. Donc, mais en vrai, l'écoute de Hold On, elle t'a fait aussi kiffer aussi. C'est ça qui t'a fait kiffer, surtout, je pense. Hold On. Mais après, bon, Hold On n'est pas à l'image du reste de l'album, tu vois. C'est sûr, je suis d'accord. Mais je pensais pas, parce que franchement, Hold On, c'est pas mon son préféré, genre. Ouais, je pensais pas que... C'est mon son préféré de Drake, Hold On. Enfin, après, ah, je surkiffe Magic Jordan. Magic Jordan, ouais. Donc, je pensais que t'allais dire Passion Fruit. Oui, mais du coup, Passion Fruit aussi, je kiffe. Nécessairement, ouais. Tu vois. Mais mec, Hold On, c'est... Voilà, quoi. C'est ce qui me donne envie qu'ils fassent un album, un projet en commun avec Magic Jordan, quoi. Et pas juste un feat par-ci, par-là sur leurs albums. Tu rêverais pas d'un projet commun avec The Weeknd? Tu sais que c'est mon rêve, genre. Je pense que, en fait, The Weeknd, j'ai plus du tout envie qu'il collabore avec qui que ce soit. Genre, pour moi, The Weeknd, il se suffit à lui-même. Il a pas besoin. Donc, ouais, non. Je suis d'accord. Drake, peut-être on aurait besoin. Enfin, en vrai, je sais pas. Mais c'est vrai que The Weeknd, il est tellement sur une autre planète. C'est ça, en fait. Pour moi, il est tellement sur une autre planète que. Voilà. Mais voilà, comme Yes Boy le dit, c'est le projet commun avec Rick Ross que j'aimerais voir aboutir. Ouais, ouais. Bah, en vrai, c'est vrai que tous les feats avec Rick Ross, c'est des réussites. Bah, ouais, mec. Donc, je me dis, un projet 9-10 morceaux, que les deux, quelques morceaux fleuve de 5 minutes 30, où ça rappe en mode Marble Flow. Ce serait bref. Okay. Bah, franchement, c'est vrai que ce serait incroyable. En attendant, Parole de Doc, quand même, vu les rumeurs qui sont annoncées, ça peut. Bah, Frank Ocean ça parle dessus, de ça Nelly, pourrait. Ça parle de Frank Ocean. Frank ouais. Ocean, ils ont mis des indices de fou. À voir. Il y a le mec du OVO Radio qui a dit qu'il y a des feats. Ouais, qui vont. Qui vont changer l'univers de l'industrie. Ça, bon. Ouais, bon, c'est vrai. Connaît, c'est... Ce genre de déclaration, mec, en vrai, bouleverser l'industrie, ça veut dire faire des trucs avec des légendes d'autres genres, des mecs qu'on n'a pas entendu, je sais pas, depuis 20-30 ans. Ouais, mais dis-toi juste que Drake est capable de le faire. Tu le dis à un autre artiste, genre Playboi Carti, tu dis il bon, est capable, ok, d'accord. Mais le truc, c'est que moi, j'ai l'habitude, dans ce monde, dans le monde de la musique et dans le monde du rap, combien de fois on a eu des promesses. Combien de fois on nous a dit truc et faut pas se laisser emporter parce que parfois ça peut te gâcher ton écoute, tu vois. C'est sûr, ouais, faut pas trop te hyper. On te survend quelque chose, quand tu l'écoutes, t'es là en mode t'as pas eu ce qu'on t'avait survendu. Donc, tu vois, c'est aussi ça qui parfois me fait regretter entre guillemets l'ancien temps où quand un album sortait, t'avais juste eu les singles auparavant, peut-être ouais. Une ou deux interviews et basta. Ouais, tu lançais vrai, quelque vrai. Chose, t'avais pas eu toute l'industrie, tous les feats qui avaient parlé de l'album, etc. Et,
Et même les gens, tu sais, entre nous, entre auditeurs, sur les réseaux, on se monte le crâne, on parle de l'album, tu vois, on n'a pas beaucoup d'infos et tout, on se fait des films, et après, bon. Donc, C'est voilà. sûr qu'après, ouais, ça arrive. Ouais, je suis d'accord. Donc, toi, c'était de toute façon, if you're reading this, it's too late. Tu lui mets combien sur 10 à ce projet-là? Franchement, en vrai, je pense que je vais mettre un 9 sur ce projet. Mais franchement, je t'avoue, je suis fan de Drake depuis super longtemps. C'est vraiment une question où j'ai vraiment. C'est récent, je me suis posé la question, tu vois, parce que je kiffe tout. Mais c'est dur. Quand t'es fan de Drake, c'est dur. Parce que même, franchement, je pourrais même mettre Scorpion, honnêtement. Quand Ok. t'es fan de Drake, Scorpion peut rentrer dans un top 3 facile. En vrai de D'accord. vrai. Toi, si tu fais ton top 3, c'est quoi du coup? Ça va peut-être choquer. Je pense que je dirais If You're Reading This, It's Too Late. Possiblement dans le futur, Honestly, Nevermind. Je trouve que c'est vraiment un futur classique. Ok. Et je pense top 3, je pense que je mettrais Views. D'accord. Ok. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup frérot d'avoir Pas de participé. souci. Merci à toi. Au plaisir, hein, même la prochaine fois si tu veux. De toute façon, tu mets un message sur Skype. Pas de souci, je te remercie. Allez, passe une bonne Bon débat à soirée. toi. Merci à toi aussi. Ok. Donc la famille, je le répète, pour celles et ceux qui veulent participer, Discord, il est épinglé, vous allez dans la salle d'attente, et après MFA vous fait passer, comme au consulat algérien, faut être patient la famille. Et également le petit Skype. Amine Hugo, voilà. Donc n'hésitez pas. Vas-y, y a quelqu'un dans la file Ouais, d'attente? Vas-y. je t'envoie. Allô? Salut frérot, comment tu vas? Ah bah nickel et toi? Bah écoute, ça va, super, super. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Samy. Ok, t'as quel âge? J'ai 18 ans et Ok. je viens de d'Aquitaine. Ça marche. Bientôt la fin des vacances. Ouais, bientôt. Du coup, tu En commences plus, tes j'aime bien les études rentrées, moi. supérieures? Ouais, j'ai commencé il y a un an. Je suis en licence chimie. Ouh, ok. Tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas encore. Juste, je fais une licence et un master et après, je vais voir. Il y a tellement d'options en vrai que je suis pas sûr en fait. Ok, mais ouais, dans les laboratoires, Voilà, des trucs comme ça, genre chercheur, tout ça. chercheur, ce que j'allais dire dans la recherche. Ok. Ouais, voilà. Alors du coup, ton œil de scientifique se porte sur quel album de Drake en tant que top 1? En tant que top 1, ça va surprendre, mais c'est Alors Honestly Nevermind. attends. Mettons un peu de suspense. Fais-nous un top 3. Vas-y, fais-nous ton Trop top tard, 3 si tu je veux. l'ai dit J'ai pas entendu, donc vas-y. Ok, vas-y. Troisième, alors en vrai, on fait album ou projet? Projet, tu fais tout, on met tout. Ok. Alors en vrai, moi je suis d'accord avec celui de The Skype, je crois, il avait dit ça. Dark Lemo Tapes, en vrai, c'est troisième. D'accord. Parce que, certes, il n'y a pas tout le projet qui est bon, mais les morceaux qui sont très très bons, vraiment, je les réécoute souvent. Genre, c'est comme toi que t'avais dit ça avec Rooftop, je m'en rappelle. Genre, vraiment, je prends du plaisir à réécouter ça souvent. Ok. Numéro Et 2. y a trop une ambiance sombre. Alors, ensuite. Ensuite, More Life. Ok. More Life, ouais, voilà. L'album est un peu long, mais il y a vraiment des grosses dingueries. Et numéro 1, vraiment, c'est Honestly Nevermind. Ok. Même si y a pas des sons, y a pas, c'est pas vraiment le Drake rappeur, mais c'est là où il y a toute sa palette artistique, je trouve, en fait. Genre vraiment, c'est no skip du début à la fin, t'es dans une ambiance tellement particulière et tellement incroyable du début à la fin. Surtout le clip de Sticky, moi je trouve il est incroyable, genre vraiment, il prend vraiment l'ambiance de l'album. Mais ouais, du début à la fin, c'est vraiment un no skip, cet album. Et par contre, moi je suis un fan récent de Drake, j'ai pas connu toute sa discographie. Tu l'as découvert avec quoi? Alors moi c'est très simple parce que moi c'est Certified Lover Boy moi. Ok, bah non mais Donc gros, vraiment moi c'est on récent. découvre quand on découvre, hein, y a pas de honte à ça. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ok, et du coup, Et t'étais parti, je suppose, hein, réécou enfin écouter les Nothing Was The Same, les Take ouais, Care. voilà, oui. Ok. Oui.
Mais voilà, c'est pas, c'est vrai que du coup, toi, tu mets les projets quand même plus récents. Ouais, voilà, c'est ça. En vrai, tel qu'hier, moi, je kiffe l'album, mais je kiffe le début. Après, quand ça rappe, c'est j'aime pas trop. Moi, je préfère genre vraiment quand c'était le début R&B, le son avec Rihanna, le son avec The Weeknd, ça c'était vraiment lourd, le début de Taker. Et Nothing Was The Same, je sais pas pourquoi, mais vraiment, j'arrive pas avec cet album. Genre, il y Ah a ouais, You Are Waiting Forever, il y a Hold On, mais le reste, je sais pas. Mais je crois que c'est parce que le Drake qui parle plus qu'il rappe et qu'il change de flow, je suis pas fan. Parce que tout ce qui est pound cake, tout ça, moi je sais pas pourquoi j'y arrive pas. ah, t'aimes pas le Drake en mode Jay-Z? Ouais, voilà, qui parle. Ouais, ben c'est pour ça aussi, je suis pas fan de Jay-Z aussi, du coup. Non, Ouais, bon, ceci explique cela alors. Du coup, voilà. t'es pas non plus hype du projet d'un projet en commun avec Rick Ross, ça veut dire. S'ils Alors, font en des. vrai, Rick Ross, Ça dépend ce type de quand il y a morceaux ils font. le. Ouais, en fait, il y a le son. Comment il s'appelle déjà le son dans l'EP, le 3 morceaux? Attends, putain. Même il dure 5 minutes. Lemon Pepper Freestyle. Ouais, voilà, c'est ça. Putain, ça c'est Lemon incroyable. Pepper Freestyle, j'ai trouvé le coupé de Rick Ross, je l'ai trouvé trop lourd. Mais Drake, j'y arrive pas. Et parce qu'en fait, c'était trop. Moi, je trouve c'est trop long son couplet, en fait. C'est ça le truc. Ok. Du coup, en vrai, je suis vraiment hype, mais si les morceaux sont pas longs, comme tu l'avais dit, en vrai. Moi, je trouve que c'est D'accord. plutôt. Ok. Genre 3-4 minutes, ce serait mieux. Et pas des couplets longs de Drake. Voilà. Ok, donc Honestly Nevermind, ton album préféré de Drake en Ouais, tant que jeune Honestly, fan de Drake. Nevermind. En tant que jeune fan de Drake. Et aussi, Ouais. Flawless. Flawless est vraiment sous-côté. D'accord. Parce que je sais pas pourquoi, y a pas beaucoup de gens qui parlent de la performance de Drake dans cet album. Vraiment, je trouve que le niveau performance, il est vraiment incroyable. Bah moi je me Dans souviens Rich au niveau des Flex, réactions quand NBS. au niveau des réactions quand c'est sorti, je voyais plus de gens dire qu'ils auraient aimé entendre un peu plus 21 Savage sur l'album. Ouais, moi, oui, je me rappelle. Même je disais ça à ma première écoute. Mais en vrai, oui, mais maintenant, moi, je trouve qu'en vrai, c'est cohérent, 21 Savage, parce que je sais pas, je trouve que ça va bien. Et aussi le morceau Spin About You, je sais pas pourquoi c'est pas un hit. Ce morceau, il est trop accessible. De toute Drake façon, dessus. Her Loss, je me le C'est trop réécouterai, fort. je pense, à ma prochaine séance de muscu. Je me le relancerai parce que c'est vrai que ça fait des mois que je ne l'ai pas relancé. Donc je pense que je vais me le Ouais. relancer peut-être demain, vu que l'album sort vendredi en plus. Je vais essayer de m'écouter deux projets de Drake avant la Ouais, sortie. ouais. Avant la sortie de l'album, ouais. Ouais. Voilà. Ok. Bah écoute, merci beaucoup frérot d'avoir Pas de participé. soucis. Je te souhaite Pas de une bonne soucis, ça fait soirée. plaisir. Merci, vous aussi. Vas-y, Merci. ciao. 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 Et on n'oublie pas dans le Bon. chat de mettre des chèvres pour le GOAT MFA, GOAT des graphistes qui est présent Merci, avec frérot. nous. Alors, vas-y, tu peux envoyer quelqu'un d'autre. On va enchaîner, on va Vas-y. enchaîner. On voit ça. Pas frérot, t'es vite. Allô, allô? Oui, allô, bonjour. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Comment tu t'appelles, frérot? Je m'appelle Barclay, je viens du Mans, Ok. j'ai 22 ans et je fais de la musique. Ah, donc on va avoir un top de quelqu'un qui s'y connaît. Je m'y connais sans m'y connaître. Disons que j'ai des albums que j'ai beaucoup plus saignés. Du coup, je pense Ouais. que j'aurai un avis, un bon avis. Et d'autres albums que j'ai plus survolés. Et du coup, Ok. Bah j'étais un écoute, peu vas-y, un donne-nous ton pingouin. top 3, Drake. Donc, en troisième, je mettrais Honestly Nevermind. Ok. Parce que je retrouve Drake créatif, qui a quelque chose de différent et qui essaye pas de jouer le jeu actuel de l'industrie musicale. Parce que je trouve que Surtout les autres sont love, on est dans un Drake qui veut toucher un public, être un peu plus soft, et là on est dans un Drake qui se tente à quelque chose, et c'est ça que j'attends de Drake. beaucoup de gens ont dit que Drake a voulu vraiment toucher d'ailleurs un public européen. Parce que Ouais, c'est de la ouais. musique qu'on consomme beaucoup plus en Europe. Totalement, totalement. Aux États-Unis, ils ont leur classique dans ce domaine. Ils ont leur R&B. En France, c'est vrai que ça passe mieux, c'est vrai. Même en Europe. Ok, donc top 3, Honestly Nevermind. C'est ça. En deuxième, je mettrais If You're Riding, This Is Too Late. Ok. Parce que c'est Know Yourself. Pour moi, la deuxième partie, elle m'a marqué toute mon enfance, elle marquera encore.
D'accord. Energy, c'est puissant et il y a une force qui se dégage de ça, surtout à cette période. C'était tout un ensemble. Je trouve que cet album-là, il tombait à pic et Drake était son apothéose du rap avant qu'il parte. Enfin, de se délire la trappe. Ensuite, le son avec Party Next Door aussi, sauf que c'est une dinguerie dessus. Et le son Company aussi avec Travis Scott. Il me semble que c'est le premier ou deuxième son qu'ils faisaient ensemble à l'époque. Okay. Et je trouve la prod monumentale, le changement et l'arrivée de Travis Scott monumentale. Ok, et ton top 1 Mon top 1, ça serait Nothing Was the Same, version Deluxe. Ouais, parce que. Ouais, en fait, je me rappelle qu'à cette époque-là, les gens se prenaient l'album de Drake. Et il y a beaucoup d'albums après Drake où t'as 4 hits. Et ce son-là, j'avais l'impression qu'il y avait. C'est vraiment un no-skip. Et c'est un no-skip pour beaucoup de personnes et pas seulement les gens qui aiment la musique. Ouais, non, c'est ce que tu dis, c'est quelque chose qu'on a pu entendre. De toute façon, c'est son album qui ressort le plus. Hein. C'est ça. Et je le comprends 100%. Parce que The Motion, c'est n'importe quoi. Wu-Tang Forever, c'est n'importe quoi. Worst Behavior, c'est n'importe quoi aussi. Il n'y a que des bangers. Et voilà. Ok. Et tu l'as découvert quand, Drake, toi? J'ai 22 ans quand j'avais à peu près 13 ans. Ok, donc... Non, le premier son que j'ai entendu de lui, c'était avec Rihanna dans... Take Care. Dans, comment? Take Care ou bien le One Dance, non? Le clip où ils sont dans une épicerie... dans une épicerie... Il me semble. Et c'est genre 2012, ouais. À peu près 2012. Ouais, c'est l'époque où Rihanna a la moitié de ses cheveux rasés. Mais c'était Care, ça. C'est le titre... What's My Name? Sûrement, What's My... Je vais regarder sur YouTube. C'est What's My Name, on me dit, ouais. Parce ok, elle c'est est What sur le name. Titre... Elle est sur Take Care aussi, du coup. Bah, ça fait 11 ans. Ouais, putain. Ah, c'est sur Take Care? Ok. Non, je te parlais qu'elle est, elle également, elle est sur Take Care, du coup. Ah, ok, donc, ce son-là aussi sur... Non, Rihanna est sur Take Care aussi. Bah oui. Ok, et c'est quoi le son sur lequel elle est sur Take Care? Oui, elle est sur le morceau éponyme, Take Care. Ah, c'est le nom du... Ah, ok, oui, c'est bien lui, ok. Oui, c'est un gros hit, 337 millions à l'époque, c'était vraiment... Ouais. C'est comme ça que j'ai découvert, j'ai pris la gifle, surtout avec Rihanna, je trouve que le mélange était beau, c'était frais. Et du coup, ça m'a marqué, je suis resté dans le cercle, dans le cycle, et j'ai découvert beaucoup de rappeurs grâce à Drake. On va dire que Drake, c'est ma première porte d'entrée au rap, l'une des premières portes d'entrée au rap US, à part Eminem quand j'étais petit, parce que ma mère écoutait avec Dido, mais sinon, grâce à son là, Drake m'a marqué. Ok, mais de toute façon, on l'a dit, hein, Drake, il a ouvert la porte à beaucoup d'auditeurs dans le rap hein, sur la dernière décennie. Hein, ça, on peut pas lui enlever. 100%. C'est comme Section d'Assaut, on pense. Ouais, vu la puissance commerciale que c'est, la facilité d'écoute, la capacité à faire des singles, à faire des hits, bah évidemment, ça ramène des gens. Donc, totalement. Okay, et c'est un très, très... J'aimerais juste rajouter que oui, Drake reste quand même un très très beau produit de l'industrie musicale américaine. Ça reste. Alors, dans quel sens? Bah, il écrit plus. J'ai l'impression et je pense qu'il est énormément guidé et qu'il a plus forcément de côté artiste et qu'il passe plus de temps à parier qu'à faire de la recherche musicale. Et qu'il est tellement bien entouré qu'il est plus qu'une image, un flow, enfin un icône en fait. Et plus un artiste à 100%. Du coup, c'est comme une Rihanna, on va les préserver, on va toujours essayer que ça soit clean. Et c'est pour ça que j'aime Honest et Nevermind, parce qu'il y avait ce truc où ils ont quand même tenté un truc. D'accord, bah écoute, on verra sur le nouvel album. Ok, bah merci beaucoup frérot. De rien, et juste, je t'ai envoyé un message sur Insta, si un jour t'as le temps d'ouvrir, si t'as le temps d'écouter un son que je fais, ce sera avec plaisir. Et continuez, force à vous deux. Tu l'as envoyé sur mon Insta perso? Non, directement sur Amine. Ok, bah j'essaierai de le retrouver alors. Ok, bonne session. Merci, passe une bonne soirée frérot. Merci, toi aussi, au revoir. Ciao. MFA, est-ce que tu peux nous ramener le fanatique de Drake, Romanouche? Ouais, de toute façon c'était le suivant. Allez. En fait j'essaie souvent de ramener dans l'ordre, tu vois. C'est bien vu frérot. Ouais, juste limite, Romain. Allô. Allô. Ouais.
Voilà, enfin. Voilà. T'imagines alors... si on t'avait pas pris de toute la soirée? Ah ouais, non, là ça va être le divertissement. Là. déjà, je vais mettre les points sur les i, les barres sur les t. Tout ce qui est avant Nothing Was The Same, tous les bandeurs de nostalgie, ça dégage. C'est Wash, c'est Take Care, So Far Gone, Comeback Season, The Best I Ever Had, là. Parce que sur Twitter, ça m'a attrapé la veste. Je suis désolé, c'est inécoutable. C'est le Drake enfant prépubère qui n'avait pas mélangé la recette comme il fallait. Il n'avait pas encore la recette. Après, ok, je comprends, Nothing Was The Same commence à percer et tout. C'est son album, mais je suis désolé. Des albums qui sortent maintenant comme CLB. Je suis désolé, Ami, t'es là? Oui, je t'écoute. Non, mais vraiment, je mets pas CLB. En vrai, je mets deux premiers. Les deux non, premiers. Mais alors, juste quand même, parce que tu me dis, ouais. Le Drake ouais. d'avant, prépubère, qui savait pas mélanger et tout. Ok. Oui, oui. Mais comment tu peux mettre dans ça Nothing Was The Same? Il est pas prépubère sur Nothing non, Was The Same. Non, pas Nothing Was The Same, mais tout ce qui touche avant, genre. D'accord, genre, ok, c'est, avant c'est Nothing Was The Same. Ok. Oui, à l'oreille, je trouve que ça ne sonne plus bien, genre. Je sais pas comment expliquer, je trouve les albums ont mal vieilli. Et ça m'a attrapé la veste sur Twitter parce que j'ai dit ça. Et du coup, je vais revenir sur mon top 3. Et les deux premières places, je suis désolé. T'as pas aimé du tout. Mais donne, si le 3, LB... donne le 3 déjà, donne le numéro 3. Ah ok. Le 3, je mets More Life. Ça More va. Life, parce que More Life, il y a le meilleur son de sa carrière, Passion Fruit. Voilà. Ok, donc le meilleur moi, son de sa carrière n'est pas un son carrière. Rappé. Non, c'est pas un son rappé, mais Drake donc, le meilleur n'est son pas forcément d'un un mec rappeur. Qui se veut... Top 10 rappeur de l'histoire n'est pas un son rappé. C'est quand même fou ça. Mais ça n'a rien à voir. C'est parce que Drake, c'est plus qu'un rappeur. D'accord. Drake, c'est un génie. C'est un génie de la musique. Non, mais vraiment. Non, mais gros. Je te souhaite de garder cette passion. Et non, je t'encourage à garder cette passion pour Drake. Mais je sais que dans 10 ans, on refera un direct. Tu passeras. Et tu nous diras, bon, j'avoue, j'ai écouté d'autres trucs, mais voilà, tranquille. Non, mais j'écoute. On patientera le temps qu'il faudra. Ok, mais j'assume. Là, par exemple, je t'ai dit clairement que Take Care, c'est Wash. Ouais, pas de soucis. Genre, je critique directement Drake. Tu vois, je dis pas que tout est bien chez c'est Drake. Bien, c'est bien, pour moi, c'est vrai. T'es honnête. Pour moi, il y a des albums avant Nothing Was The Same, c'est Wash. Bref, More Life top 3 parce que meilleur son de sa carrière, Passion Fruit. Le reste, ok, le feat avec Kanye West, t'as raison, ça pue la merde. Mais bon, il y a des sons qui sont bien, il y a des sons rappés. Clay Chester, un truc comme ça, j'ai oublié le titre. Le début, avec Geeks, je crois que c'est. C'est ah, pas ça, mal. C'est lourd ça, ce morceau. Hein. Pardon ? Il est lourd ce morceau avec Geeks. Oui, c'est ça, le morceau avec Geeks, il est lourd. Avec Skepta après, aussi. J'ai... Pardon ? Avec Skepta aussi. Ouais, celui-là, je me souviens plus forcément, mais avec Geeks, je sais qu'au début, ça rappe sale. Et après Passion Fruit, il y a trois sons qui s'enchaînent là, bien mielleux comme il faut. Ceux-là, ils sont parfaits. Avec la meuf, mais j'ai oublié son nom. Georgia Smith. Allez. Ouais, voilà, Georgia Smith. Le son là, je le trouve lourd. Bref, on a compris, More Life top 3. En deuxième, je mets Hurlos, parce que je suis désolé, mais j'ai jamais autant ressenti de vibrations dans mon corps que sur le morceau Broke Boys. C'est une dinguerie ce morceau. Non, Amine, je sais que t'es pas d'accord, tu rigoles non, derrière la caméra. Mais il n'y a pas de souci, gros. C'est ton moment. Là, c'est ton moment. C'est ton top. On écoute ton non, top. Mais vraiment, je le jure, Broke Boys, c'est une dinguerie. Alors après, il y a des sons et c'est des skips. Genre le Travis Scott, il est dégueulasse sur l'album. D'ailleurs, en parlant après... de Drake Travis Scott, tu préfères Sicko Mode ou... Melton? Ouais, ou Meltdown. En vrai, Sicko Mode, c'est trop une dinguerie ce son. Ce son, je peux l'écouter facile tous les jours et turn up dessus tout seul dans ma chambre. C'est une dinguerie. Genre, c'est vraiment c'est the son. Après, Meltdown, c'est bien parce qu'on n'a jamais entendu Drake avec une voix un peu démoniaque, comme il avait dit ton pote là derrière la caméra. Mm-hmm. Ouais, sinon, Sicko Mode, c'est trop une dinguerie. Ok. Et Le top 1, je suis désolé, il y a Honestly Nevermind, parce que je suis désolé, c'est vraiment, c'est
c'est une dinguerie cet album. Tu peux l'écouter, je peux l'écouter 3 fois par jour. C'est l'album. Mais après là, je suis un peu en indigestion, du coup je calme. Mais je suis un peu en indigestion de l'album, mais c'est quand même le top 1. Tu l'as écouté combien de fois depuis sa sortie? Pardon? Tu l'as écouté combien de fois depuis qu'il est sorti au Cinéma Marine? Non mais c'est une dinguerie, genre. Je l'avais écouté plus de 200 fois durant l'année avec les stats Spotify là, qui l'expliquent. Ils disent à un moment l'album, je crois que c'était 240, 250, un truc comme ça. C'était un son, c'était Flight Bouquet, je crois. J'avais en vrai, ton top, ça va, hein. Moi, là, je trouve juste. Non, mais il y a CLP aussi à côté. Attends, c'est pas mal, je trouve juste qu'il y a la fraude Her Loss, mais tranquille. Non, mais il y a CLP à côté de Honest Nevermind. L'achat, il y a CLP. Est-ce que tu le veuilles ou non, il y a le meilleur morceau carrière de Drake dans CLB. Je vais fâcher des gens. Fâchez-vous comme vous voulez. Ici, on n'est pas pour le rap. Ici, on est pour le Drake lover. Fucking fan. Le changement de prod. Je n'ai jamais ressenti ça en 19 ans d'existence. Vous pouvez mettre tous les albums que Kendrick que vous voulez. C'est mais une dinguerie. T'avais dit que c'était Passion Foot, son top carrière. Ah merde. Non. Passion Foot, c'est deuxième. Fucking fan, c'est premier. Je suis désolé. Okay. Fucking fan, c'est premier. Non, fucking fan, c'est premier. Non, c'est une dinguerie. Le changement de prod et quand ça fait tout-du-du, comme ça, là, derrière le kick, c'est une dinguerie. Non, vraiment, fucking fan. Après, il y a aussi les sons comme Champagne Poterie, Papisco. T'as dit Kendrick, t'as dit quoi? J'ai dit, je n'ai jamais ressenti ça sur toute la discographie de Kendrick Lamar. Vraiment, fucking fan. Mais genre, je te jure, Amine, que c'est la vérité. Je suis pas là pour le buzz. Pour mentir, pour faire le divertissement forcé, je te jure, je n'ai jamais ressenti ça sur toute la discographie de Kendrick Lamar. Mais il n'y a pas de souci, mais je t'ai dit, quand on aura 25 ans et tout, on verra. T'as dit quoi? Dans 5 ans, on verra. Quand tu auras 25 ans, quand tu auras évolué en tant qu'auditeur et que tu nous diras, bon, Drake, j'avoue, quand j'étais plus jeune, j'ai été abusé. Voilà. Maintenant, c'est plus mon rappeur préféré et tout. J'ai vu la lumière. On verra. Mais non, mais honnêtement, comment vous arrivez? Parce que j'arrive pas à écouter Kendrick. Genre, je trouve qu'il y a vraiment une voix d'adolescent. Genre. Alors après, gros, moi, je rentrerai jamais dans le débat avec quelqu'un qui me dit j'aime pas la voix de l'artiste. Parce que je suis le premier à dire, par exemple, pour Nekfeu, j'aime pas sa voix, donc j'arrive pas à rentrer dans sa musique. Ouais, voilà. Moi, je pense que c'est juste ça. J'aime pas la voix de Kendrick. Si t'aimes pas sa voix, t'aimes pas sa voix, gros. La musique, ça reste du ressenti. On va pas te forcer à aimer la voix de quelqu'un, tu vois. Ouais, mais même, ça me sort des. Ouais, mais Kendrick, il fait des storytelling dans ses albums. C'est mieux. C'est un argument en plus pour ses albums. Mais on s'en fout des storytelling. Genre, le mec, je suis pas là pour une histoire personnellement. Sinon, je vais voir un film. Moi, je suis là pour de la musique, pour des émotions. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il me raconte sa vie ou de la vie de quelqu'un ou je sais pas quoi. De toute façon, je comprends à moitié l'anglais. Du coup, ici, pour moi, Drake. C'est au-dessus de Kendrick Lamar, mais bref, de toute façon, ça c'est un autre débat. C'est pas le débat. On parlait de CLB et c'est tout. Très bien. Bah. Donc, CLB et Honestly Nevermind dans le top 1. Mais j'ai pas compris pourquoi t'as pas aimé CLB. Hein. J'ai vraiment pas compris. Parce que c'est redondant, c'est la même formule. Il y a des morceaux cool, mais c'est noyé dans un marasme. Bof, quoi. Tu l'as bien écouté la nuit ou pas? Bah oui. Je l'ai écouté justement, il me semble que juste après je suis allé à la salle et je l'ai écouté. Parce que souvent quand on finit de tourner, je vais à la salle. Et le projet en général qu'on a écouté. Ah ouais, mais vraiment on a des goûts mais totalement opposés. Après je kiffe vos vidéos, mais on a vraiment des goûts totalement opposés parce que moi gros, c'est l'album pour faire un monde. Hein. Mais oui, mais pour moi c'est vraiment l'album de Drake qui m'a fait le plus ressentir des émotions, mais qualitativement Honestly Nevermind est meilleur, tu vois. C'est ça que je les mets tous les deux en top 1 parce que je trouve qu'objectivement, après la musique c'est dur de la juger objectivement, mais je trouve quand même Honestly Nevermind un meilleur projet. Mais CLB, il y a les morceaux qui m'ont fait le plus vibrer dans la carrière de Drake. Après, je suis peut-être parce que je suis un ado de 19 ans, voilà. Moi, ça me touche directement. Les petites voyous et tout, comme tu l'as dit dans la vidéo. C'est pas non plus la peine. Tu as dit ça dans la vidéo. C'est pour les teens, la voix aiguë au début du morceau, bref, ça m'a tué. Ah là là, ouais, là, voilà. Là, là. Bon, bah écoute frérot, merci beaucoup d'avoir participé. Je suppose que bon bah tu vas pas dormir et tu vas pas te laver jusqu'à la sortie de For All the Dogs. Non, j'ai un examen de fou vendredi, c'est pas possible, là je suis obligé de dormir. Ah ouais, bon bah j'espère que en faites-moi tout cas, bonne chance Amine. J'espère qu'il va te sortir un bon album, un très bon album pour tu vois, te récompenser de la fin. C'est un examen de quoi frérot?
c'est un examen d'entrée pour médecine. En Belgique, c'est comme ça. Oh la vache. Ouais, bah, voilà. Véro, t'as des goûts de merde en rap, mais on te souhaite quand même de réussir. Vas-y, vas-y. À 17 ans, wow. Non, 19, 19. Ah, 19, ah, ok, j'ai compris 17. Donc, okay. Vas-y, frérot. Hein. Donc, ne traîne pas vas-y. Sur le live, va réviser. Vas-y, vas-y. Allez, tu nous diras comment ça s'est passé, ciao. Ciao, ciao. Donc, ça veut dire qu'un jour, on va... Vous allez peut-être être entre la vie et la mort, et c'est un mec qui pense que Drake explose Kendrick Lamar qui va vous sauver la vie. En fait, ça veut dire ça. Ouais, c'est... Ça fait peur, hein. Bon, allez, vas-y, tu nous envoies quel cadeau, TMFA, s'il te plaît. Ouais, gros, merci beaucoup, ça. Frérot. Pas de soucis. Bon, par contre, lui, c'est Baby Plug. Donc, je sais pas, ça va donner quoi. Let's go. Peut-être il va avoir la Baby Voice. Peut-être. Non, t'as pas la Baby Voice, frérot. Non, j'ai pas la Baby Voice, non. Désolé. Ça va ou quoi? Tu m'entends bien? Ouais, on t'entend. Bah ouais, ça va. Très bien. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Nathan. T'as quel âge? J'ai 19 ans. Ok, ok. Alors, Drake, top 3. Top 3, alors du coup tout à l'heure je me demandais, alors en fait j'hésitais entre Take Care et Dark Line Demo Tape, mais je crois que je suis trop biaisé, du coup je vais dire Take Care. Biaisé par quoi? Bah parce que Take Care, tu vois, bah je l'ai pas vécu, parce que c'était en 2011, donc j'avais 7 ans, et Dark Line Demo Tape, alors je l'ai pas vécu à sa sortie, je l'ai écouté quelques mois plus tard, mais... mais un peu plus vécu en tout cas que TK. Ok. Du coup, c'est pour ça. Top 2, je mets. Ouais, Nothing Was the Same. D'accord. Parce que bah, le projet, il est excellent. Ma première écoute, c'était dans les meilleures conditions possibles. J'aime beaucoup cet album. C'était quoi les conditions? Je me rappelle, du coup, j'allais dans le sud. Dans le sud de la France, okay. Grand soleil, ciel bleu, tout était parfait. Ah oui, voilà, et en fait j'allais au mariage de ma cousine, je raconte ma vie, hein, mais ah oui, j'allais non, mais au mariage. Elle est là pour ça aussi, hein. Et du coup, elle avait loué un château et tout, et du coup, bah, j'étais là, j'étais dans le luxe et tout. Ah ouais, c'est... ok, d'accord. Ah, ça va, ah, ça va, on se fait pas chier. J'étais dans le luxe. Ah ouais. Non mais enfin ouais, c'était là dans ma première écoute. Bah ouais. Ok. Et c'était bien. Et top 1, du coup, je rejoins mon collègue prédécesseur et je sors des sentiers battus et je mets Certified Lover Boy. Putain. Alors, je m'explique. Je pense, bon déjà, je sais que je suis un peu biaisé, mais en même temps pas trop. Pourquoi? Parce que du coup, cet album-là, je l'ai vraiment vécu à sa sortie. Là, j'étais dedans et tout, j'ai tout vécu. J'étais même hype jusqu'à... tu te souviens, quand ça sort, il y a le beef avec Kanye. Oui, et du coup, la compétition avec Donda. Tout à fait. Et à ce moment-là, moi, je suis... Là, je deviens pro Kanye, genre vraiment Donda, je suis dans un mind uniquement Donda et tout. Mais en même temps, dans l'année, j'étais hype parce que du coup, il a sorti Scary Hours 2, qui est parfait. Genre, si c'était un plus long projet et que les sons ils étaient du même niveau, bah du coup, je l'aurais peut-être mis dans mon top, à voir. Mais du coup, ça reste qu'un EP. Mais du coup, voilà, je l'ai vécu avec le beef. Et du coup, j'étais hype, mais il y a eu le bif entre temps, j'étais pro Kanye, tu vois, j'étais en mode, putain, fuck Drake, mais en même temps, vas-y, j'étais un peu hype et tout. Okay. Et du coup, ma première écoute, c'était pas dans le luxe, c'était dans un bus en rentrant du lycée, c'était pas le même délire, mais du coup, il y a des sons qui passent et tout. Il y a des sons que je kiffe, il y a des sons où je suis déçu de ouf. Et du coup, je sors de l'album et putain, je suis en mode, Kanye, il a sorti un meilleur album et tout. Et le temps passe, je grandis quand même, et je me retourne un peu vers l'album et putain, je le trouve bon, je pardonne certaines déceptions et tout. Et du coup, la dernière fois, il y a un an, je me suis dit,
Actuellement, c'est quoi le meilleur projet pour faire découvrir le rap à quelqu'un actuellement? Genre, le rap, je sais pas comment dire, mais en gros, tu veux faire découvrir le rap à quelqu'un, tu vas lui faire écouter du rap actuel, bah moi, je propose Certified Lover Boy. Parce que c'est, je trouve, c'est une bonne photographie du, de ce qui se fait, et c'est bien fait. Ok, donc, c'est une, pour, okay, donc ça représente genre l'ère actuelle de rap, quoi. Voilà, c'est ça. Et en même temps, donc, là, ouais. Ça répond pas vraiment au top, parce que du coup, genre, pourquoi ça serait le meilleur de Drake? Et bah, pour moi, c'est le meilleur de Drake, parce que du coup, il réunit tout ce qu'il sait faire. Genre, l'album, il y a vraiment tout. Genre, j'écoute des sons, là, je les vois dans tel album, celui-là, je le vois dans tel projet, dans tel mixtape et tout. Et pour moi, Drake, bah, c'est ce qu'il a voulu faire, je pense, c'est bah, montrer en plus de 10 ans de carrière, bah voilà, où est-ce qu'il en est, tout ce qu'il a pu faire. Et du coup, bah après ce projet-là, passer à autre chose. Et voilà, donc voilà pourquoi pour moi c'est le meilleur. Ok, ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup, frérot. Ouais, vas-y, vas-y. Bah juste, j'avais une demande à faire. Ouais. Pitié, je sais que vous avez eu des problèmes avec cette vidéo, mais est-ce que ça serait possible de remettre la vidéo de Savage Mode 2? Mais quand elle passe pas sur YouTube, elle est directement strikée. Mais vous pouvez pas la mettre sur Vimeo ou Dailymotion, je sais pas, un truc sombre. Il faudrait qu'on retrouve le fichier. Ah merde. C'est la première des choses. Ah ouais. Parce que okay. Si on retrouve le fichier, de toute façon, on peut même retoucher la vidéo et la faire passer sur YouTube. Mais en fait, il faut qu'on retrouve le fichier. Donc il faudrait que je voie avec Hugo. Ok, ça marche. Je sais même plus lequel de nous deux avait monté la vidéo pour te dire. Donc je sais pas qui l'a. Ouais. Je sais plus. Ouais, non, bah, t'inquiète, je suis au calme. Ok, ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup, frérot, d'être passé. Bah, de rien. Allez, passe une bonne soirée. Ouais, merci, toi aussi, à plus. Alors, l'écoute de Blonde, c'est sûr et certain que non, parce que l'écoute de Blonde, non seulement elle avait été supprimée, mais en plus de ça, on s'était mangé un strike. C'était notre deuxième strike pendant trois mois. À chaque fois qu'on sortait une vidéo, on avait peur de perdre la chaîne, parce qu'au bout de trois strikes, ta chaîne, elle est supprimée. Donc Blonde... Ouais, non, c'est pas ouf. Non. Franchement, la musique de Frank Ocean, elle est hyper protégée. Comme Drake à l'époque. Drake à l'époque, c'était hyper protégé. Hein. Là, beaucoup moins. Mais Frank Ocean, oh, laisse tomber. Ah, dinguerie. Vas-y, on va passer à la prochaine personne. Et puis en plus, elle est sur des... Oui, elle est sur des Dailymotion, c'est vrai, c'est vrai. Allô. Salut, salut frérot, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, super. Tu t'appelles comment? Enzo. Et t'as quel âge? 21 ans. Tu nous appelles d'où? Paris. Ok, ok. Alors, non, Drake, loin. Top 3. Bah, en fait, comment dire déjà, Drake, je le mets même pas dans le top 20 des meilleurs rappeurs. Bon. Mais je voulais quand même donner mon avis, parce qu'il y a un album dont on parle pas assez. Bien sûr. Il y a un album dont on parle pas assez, c'est If You're Reading This, It's Too Late. On je suis désolé. Pas, okay. Il y en a un qui en a parlé, je crois, là, pour l'instant, sur le live, ok. Ah, j'ai pas dû voir, mais vraiment, cet album... Après, je suis pas objectif, parce que c'est avec celui-là dont j'ai découvert Drake. Mais je trouve vraiment que c'était un album tellement puissant à l'époque où il est sorti. Et pourtant, j'avais pas aimé au début. Et je trouve qu'en fait, il prend une puissance de fou après. Mais c'était vraiment une époque où t'avais un Drake, je sais pas comment dire, mais... Il était agressif ce Drake. Après c'est peut-être parce que je préfère le Drake qui rappe. Et je trouve que dans cet album, enfin même les prods de Boy Wanda et tout, enfin tout est trop bien dans cet album. Si je dis pas de conneries, il y a un feat avec Lil Wayne. Oui, il y a un feat avec Lil Wayne. Ou Lil Wayne le boit, hein, mais là, le son est cool quand même. C'est Lil Wayne, hein. Ouais, grave. Mais sinon, en fait, juste ce qui m'énerve, c'est les gens qui mettent Drake dans le top 10. Et qui me disent que leur meilleur album, c'est Honestly Nevermind. Je vois pas le rapport, en fait, du coup. Ouais, mais moi, je trouve que c'est contradictoire, mais bon. Mais voilà, non, après, en album que j'ai surkiffé de Drake, s'il y en a... je sais pas ce que t'as pensé de Views, toi. Moi, j'avais bien aimé. Views, on avait... Alors, moi, j'avais pas mal apprécié, mais c'est vrai que sur le temps, c'est dur d'y retourner.
Ok. C'est dur. Moi, aujourd'hui, j'y retourne quasiment plus du tout, à part les gros morceaux afro-caribéens. Le début aussi, ouais. Que j'aime pas mal. Mais après, c'est le début de l'album que je kiffe. C'est très lourd comme écoute. C'est un album, il est lourd à écouter. Ouais. Bah après, mon top 3, il va pas être très original. Oh, je mets Too Late, je mets Take Care et Nothing Was The Same. Genre, okay. en premier, je pense. En premier, tu mets loin. Nothing Was The Same. Ouais, de très loin, ouais. Ok, de très loin. Bah, enfin, je crois que t'es le premier du... qui appelle et qui... Non, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Oui. Vraiment, c'est son classique. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, enfin, dans vraiment... la globalité, quand tu demandes à un panel large d'auditeurs rap, c'est Nothing Was The Same qui ressort. Ouais. Ouais. Après, je sais pas, parce que bon, tu vas me dire que j'ai que 21 ans, mais genre vraiment, j'écoute du rap depuis très longtemps, donc je sais pas ce que les auditeurs actuels mettraient en... Ah, tu vois, si on prend que les auditeurs actuels, je sais pas. Hein. Ça m'étonnerait même pas que Earless soit devant... Ouais, parce que, bon, il y a l'instantanéité qui joue, le fait que c'est récent. Ouais, c'est ça. Ok, enfin, mais bon. Quelqu'un parlait de Certified Loverboy, je suis désolé, aussi. J'ai écouté une fois l'album, je me souviens pas d'un son en fait. Mais moi en fait, je comprends pas. Certified Loverboy, pour moi, ça n'arrive même pas à la cheville de Nothing Was the Same. Non. Pour moi, on est sur des tiers différentes qualités. Scorpion, il y avait des bons sons. Il y avait des bons sons, Scorpion. Mais c'était trop long. Bon, après, c'est un double. Mais trois, oui. Bon, voilà. Ouais. Mais non. Tu vois, genre, je pense que les nouveaux auditeurs aussi, il y a un peu ce truc d'aimer Drake. Et c'est normal, je pense qu'on l'a tous fait, mais d'aimer Drake aussi par ce qu'il dégage, tu vois. Oui. Plus que par sa musique. Je sais pas comment dire. Par rapport à son image, à comment est-ce qu'il vend sa musique et tout, son marketing. C'est ça. Je pense que beaucoup de nouveaux auditeurs peuvent très vite se raccrocher à Drake. Parce que, bah, déjà, après, c'est sa recette aussi. Hein, il fait des sons très comment dire, c'est du easy listening, tu vois. Ouais, c'est facile. Et je pense que ça marche bien. Et par contre, il y a un truc que j'aime bien avec Drake, c'est les collabs. Ça, pour le coup, genre, okay. c'est un truc que tu peux pas retirer à l'artiste, c'est que vraiment il va collaborer avec tout le monde. Et même, je parle même d'artistes internationaux. Hein. Mais tu et sais, genre, vraiment, pour le coup, en termes de collaboration rap, c'est un des éléments qui me fait chier chez Kendrick. Ouais, si exactement. On compare à Drake, je suis totalement d'accord, voilà. Avec toi. Au moins Drake, on l'entend un peu partout. Et moi, j'aimerais entendre Kendrick un peu partout. Mais oh, le rêve. Non, parce que tu sais que ma plus grosse frustration, je pense, c'est d'avoir entendu Ghostface et Kendrick sur le même son, et d'avoir dit bof. Et pas avoir eu un morceau. Et d'avoir dit bof. Mais gros, c'est la deuxième fois que Kendrick il nous fait un truc comme ça. Parce que rappelle-toi, il y a aussi Eminem. Eminem. Mais moi, quand dis que j'aimerais l'entendre sur des trucs modernes, des artistes nouveaux et tout, c'est... Moi, je me souviens quand il avait posé sur New Freezer. C'est là, je me dis, mais putain, mais Drake et Kendrick sur de la trap et tout, mais bordel, c'est quoi ces flous de fou qui nous sort? Et ouais, ça me fait chier. New Freezer, c'était Rich the Kid. Je crois, il me semble. Mais tu vois, par exemple, je trouve qu'il manque à Utopia. Kendrick manque clairement à Utopia. Oh là là, ce serait une dinguerie. Tu l'aurais mis sur quel son? Bah, je l'aurais mis sur l'intro, je pense. L'intro, ouais. Ah, je l'aurais mis sur l'intro. Putain, il y avait un autre son qui m'avait fait penser à Kendrick. Ah, la dernière prod, tu sais, de Schizo. Un peu. La deuxième partie? Ouais, tu sais, un peu ancienne, un peu mélancolique et tout. J'aurais kiffé l'entendre là-dessus. Bon, après Kendrick, tu vois, à la différence de Drake, tu peux le mettre sur n'importe quel style de rap, il va tout défoncer, tu vois. Ouais, même sur du jazz, je suis d'accord. Bah après, à l'époque, rien que son verse sur Control, en vrai. Bah oui. C'était déjà une collab avec deux noms, et c'était plutôt actuel pour le coup. Ouais, mais bon. Il a décidé de faire son ermite. Et si je dis pas de bêtises, le beef avec Drake vient de là. Je crois que ça part de ça un peu. Ça part de ça. Mais non, Drake, vraiment, les collabs, j'aime bien. C'est un côté que j'aime vraiment bien. Bah, après, je trouve qu'il le partage aussi avec Travis, qui est un peu partout aussi. Qui n'hésite pas à partager un peu, tu vois. Ouais, non, je trouve que c'est dans une carrière d'un artiste. C'est quelqu'un de généreux, hein.
Ouais, franchement, ouais, pour le coup, ça. Après, des gens préfèrent voir ça sous l'angle de. Il vulturise, tu vois, genre, il va prendre l'essence des artistes, il va en profiter. Mais en... Après, une collaboration, c'est toujours un échange de bons procédés à un moment donné, tu vois. Et puis j'ai envie de dire, il le rend bien. La lumière tu vois sur des gens. Il le rend bien. Comment il le... Moi, je trouve qu'il le rend bien. Ouais, il le rend il bien. A toujours... Il se fout pas de la gueule des gens quand il collabore avec eux. Et voilà, vraiment. L'exemple typique, c'est More Life. Tu vois, à un moment donné, il faut. Enfin, il n'y a pas que des experts et il n'y a pas que des gens qui écoutent tout ce qui sort et qui connaissent tout. Il y a aussi des gens qui connaissent moins. Ah, ça, et moi, tu vois, ça, genre, par exemple, Georgia ouais. Smith, j'ai découvert avec ça. Et j'ai pas honte. Ah, bah moi aussi. Vois. Avec Drake, ouais. Donc, mais c'est ça qui est trop bien. Skepta, pareil. J'avais déjà entendu, mais j'avais pas eu l'occasion d'écouter. Là, c'était une occasion d'écouter. Parce que tu peux connaître de noms, certains, mais t'es pas tombé sur quelque chose qui te fait rentrer dans leur délire. Et t'as un J'suis artiste totalement d'accord. Que tu suis qui va les ramener sur son projet, qui va du coup te les introduire. Et je trouve que c'est une bonne démarche. Et puis même, il y a la crédibilité aussi. Tu vas écouter un son de Drake, feat Skepta, tu vas te dire, ok, genre le mec, s'il est avec Drake, c'est que c'est pas n'importe qui. Ouais, bien et sûr, je bien trouve sûr. Que, et je trouve que justement, le, parce qu'il a eu beaucoup de polémiques où, où on dit qu'il vulturise, etc. Je peux comprendre les gens qui disent ça, et en même temps, je trouve qu'ils le rendent bien. À partir enfin, de je trouve que... Gros, les artistes, ils collaborent avec lui en connaissance de cause. Mais bien sûr. Ah bah voilà alors. Bon bah alors, il ouvre le problème. Et puis ils sont pas bêtes, ils se disent bien qu'ils vont avoir une visibilité de dingue. Bien sûr, mais évidemment. Donc on peut pas, moi je comprends pas, on peut tirer sur Drake pour beaucoup de choses, mais pas sur ça, je suis désolé. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup frérot d'avoir participé. Je voudrais juste te dire quelque chose. Oui. Avant de venir, j'ai regardé, j'ai envoyé un message il y a 5 ans, donc ça veut dire que je vous suis d'au moins depuis 5 ans. Ah putain, ça fait plaisir frérot, merci beaucoup. Et vraiment, dis-toi que genre vos vidéos, même si je les ai déjà vues, replay value de fou les gars. Et c'est trop agréable et je tenais à te donner la force. Bah merci beaucoup. À te donner la force et à te remercier et à vous remercier pour votre travail. Merci c'est trop cool. Beaucoup, merci beaucoup frérot. Allez, passe une bonne soirée. Allez, ciao. Ciao. Bonne soirée. Vas-y, on va en prendre un dernier. Ouais, c'est le dernier en plus, ça tombe bien. Parfait. Allô. Allô frérot, comment tu vas? Salut Amine, ça va? Ça va et toi? Attends juste, je branche mes écouteurs, ça va être plus simple pour moi. Pas de soucis. Hop. Tu m'entends là? Je t'entends, ouais, toujours, parfait. Attends, il va pas se brancher. 2 secondes. Toc. Bon, je vais faire sans écouteurs au pire, c'est pas grave. Du coup, top 3? Top 3 Drake, alors est-ce que tu peux nous donner ton âge? Alors moi je m'appelle Robin et j'ai 21 ans. Et tu nous appelles d'où? De Paris. De Paris, ok. Juste pour savoir, avant t'as découvert Drake, à quel moment, sur quel projet? Bah moi j'ai donc quand j'ai découvert, j'étais au collège, donc en vrai je crois que c'était If You Reading, en vrai. En 2015. Et Views, entre les deux, ouais, 2015. Ok, d'accord, ok. Donc milieu de carrière, ça marche. Vas-y, on exactement, peut ouais. Top 3. Exactement. Bah alors mon troisième, bah alors je vais exclure If You're Reading parce qu'en vrai bon, je le compte comme une mixtape, en vrai vu que t'as du top album, bah du coup je vais pas mettre If You're Reading. Ok, donc tu l'aurais mis sinon? Je sais pas, je pense que je le mets entre 3 et 4ème place. Ok, donc vas-y, mention très honorable. Ou même 5ème, vu qu'en vrai entre 3 et 5 c'est compliqué je trouve. Ok. Mais du coup troisième en vrai, si on parle d'album, je vais mettre Views. D'accord. Parce qu'en vrai je pense en termes de production, je pense que c'est le meilleur album de Drake. D'accord. Je pense que Forti, il a jamais atteint un niveau aussi, aussi flamboyant que sur Views. Et je pense que ses meilleurs morceaux, enfin ses deux meilleurs morceaux en carrière hein, sont sur Views. Je parle de Feel No Ways, exceptionnel. Je crois que pour moi, c'est la version améliorée de leur morceau avec Magic Jordan là, sur Nothing Was The Same. Okay. C'est vraiment la version améliorée. Et bah, en fait, c'est aussi bah, c'était prod par Forti. Kanye et le refrain est fait par Future, donc je pense que en termes de casting, on pouvait pas donner mieux. Et sinon, t'as aussi Fire and Desire que je trouve en termes de, si on parle de R&B, je pense que c'est le meilleur morceau de Drake. Je trouve qu'il chante trop bien dessus. Et pareil, moi ça me fait voyager de ouf. Après, je suis d'accord, je trouve qu'il y a un ventre mou aussi comme toi sur l'album. C'est le milieu d'album que je trouve un peu, ça retombe un peu, enfin, pour moi t'as Chill Play et t'as le morceau avec Future où je trouve que, enfin, Grammys pour moi c'est un peu un morceau sur Reading 10,
Ouais. On dirait une suite de studio un peu. Ouais, de, après, de ça fait aussi morceau, peut-être période. Ouais. What a time to be alive, tu vois. Ouais, exactement. Puis en plus, bon, 2015-2016, je pense que Future était à son prime, en vrai. Je pense que c'était le meilleur rappeur de la planète. Donc en vrai, je pense que mais c'était aussi important pour lui de le mettre. Je l'ai dit, hein, attention, parce que on a décerné pour l'instant l'album de l'année à Utopia, mais attention, le Métro Futur. Hein. Ouais, je te jure, moi j'attends de ouf. Hein. Moi j'attends, hey, gros, là, les petits extraits qu'on a eus, les instruments ouais. Métro, c'est n'importe quoi. Et je sais que Future... Ouais. C'est très bien comment naviguer sur les instrus de métro. Donc, puis ouais, je... moi, le... en fait, le futur son, je le trouve trop fort. Le futur son. Genre, avec les prods de métro, ouais, c'est incroyable. Je suis d'accord avec toi, ouais. Mais voilà. Pas, par contre, je veux pas le futur qu'il y a sur Utopia mélodieux. Ouais. Mais tu sais, mais mélodieux dans le sens tombeur, tu vois. Non, je veux ouais. Le futur. Tu veux pas le futur Hendrix, quoi. Non. Je veux ouais. Le futur. I just fuck your wife for some Gucci flip flaps. Voilà, c'est ça que je veux. Ouais, moi aussi. Je suis voilà. D'accord avec toi. Après, moi, j'aime bien le futur aussi mélodieux. Donc, en vrai, voilà. Ouais, mais mélodieux, sale. Ouais. Pas mélodieux romantique. Ouais, comme, c'est, voilà. Comme solo, comme sorry. Voilà. Un peu, c'est mon saut. Ok. Allô ouais, je t'écoute pour la suite du top. Ok, ok. Alors, donc, troisième, donc Views. Ouais. Alors. Bon, là, c'est là où j'hésite. Parce qu'en vrai, moi, j'aime beaucoup Take Care. Et j'aime beaucoup The Smith Hussain. Pour moi, c'est vraiment ces deux albums, on va dire, ces deux pics. D'accord. En et vrai, moi, je préfère Take Care, personnellement. Mais je pense que son meilleur album, objectivement, si on prend aussi à des critères objectifs, c'est The Smith Hussain. Parce qu'il rappe trop bien dessus. Je pense que le début d'album, où bah, t'as l'intro qui est exceptionnel, Tuscan Lester sur un son de Iguanas, je trouve le son il est exceptionnel. T'as le beat twist qui est super bien fait par Forty. Mm-hmm. Et t'as Drake qui rappe magnifiquement bien quoi. Ensuite t'enchaînes avec les Started from the Bottom, les Worst Behavior, les Wu-Tang Forever, enfin c'est exceptionnel je trouve. Puis les prods de Forty sont incroyables. Et bah comme t'as dit en fait c'est là où je pense en termes de rap. C'est là où on le prend en sérieux et c'est là où, où je pense qu'en termes de rap, il a jamais atteint un niveau aussi, aussi puissant qu'à cette époque. Et je trouve que l'alliance justement entre le rap et le R&B sur cet album-là, il est trop bien maîtrisé. Enfin, je trouve que là où Take Care, en fait, c'était beaucoup plus du chant, enfin, on a retenu beaucoup plus les morceaux chantés. Là, tu vois, avec Nothing, je trouve que c'est 50-50 et il est aussi. Pour moi, il est aussi fort en chant sur cet album-là qu'en rap. Donc voilà. Puis il lâche des perfs totalement monumentales. Enfin, là, l'outro, Pancake, je sais que beaucoup de gens disent qu'il s'est fait soulever par Jay-Z. Moi, je comprends qu'on puisse dire que Jay-Z l'a soulevé. Mais je trouve que le couplet Drake est super bien. Ça reste agréable à écouter. Même si Jay-Z, on peut penser que Jay-Z a un meilleur couplet, ça ne me fait pas passer les moments de Drake pour autant, tu vois. Ouais. Puis ouais, bah, Too Much aussi avec Sanfa, je trouve exceptionnel. T'as bah, le single Porter avec Magic Jordan qui est incroyable. Donc ouais, puis en plus, mon top 2 de. Enfin, mon top 1 c'est Hold On. Mon top 2 de cet album, moi pour moi, je pense que c'est The Motion en vrai. Ouais, ouais, il est touchant le morceau en plus. L'instru de The Motion. Oh là là. Ouais. Oh, la vache. Ah, s'il y a des trucs comme ça sur For All the Dogs, je suis là. Hein. Je suis d'accord. Puis en plus, moi, je trouve que, enfin, No Single System, c'est un album qui, je trouve que la cover, elle est trop bien représentée. T'as l'impression d'être dans un avion, tu survoles Toronto. Je trouve que c'est trop bien représenté, vraiment. Donc voilà. Donc en vrai, No Single System, objectivement top 1. Moi, après, je préfère Take Care parce que j'avoue, je préfère le Drake chanteur, lover, voilà. Mais je comprends. Il y a un morceau qui n'est pas revenu sur ce direct et qui n'est pas revenu aussi sur le direct Drake Top 10, qui est pour moi, je pense, peut-être son top. Pour moi, ce morceau est au minimum top 5 de sa discographie. Et moi, je le mets peut-être top 3, voire peut-être top 2 à la place de The Motion, Marvin's Room. Ouais. Ah, oui, moi, je suis d'accord. Après, Marvin's Room, je suis d'accord, mais en vrai.
Moi, il y a une époque, c'était mon préféré Drake, tu vois. Ouais, ok. Mais je trouve qu'on en fait un peu trop, parce que sur TK, je te jure, il y a des pépites qui sont trop peu citées. Genre, Lorno avec Rick Ross, la paire de Drake, il lâche ça à 24 ans, tu vois. Ah, mais d'ailleurs, genre, attends. Bah, parce que là, je percute quelque chose, maintenant que tu me fais parler de Take Care. La meilleure perf rap de Take Care, c'est qui? Bizarre, hein? Ouais, toi tu vas dire Kendrick Lamar. C'est bizarre ça quand même. La meilleure perf Kendrick Lamar de Take Care en rap, c'est pas Drake, c'est Kendrick Lamar. Non, pour moi c'est Drake. C'est bizarre quand même cette histoire, hein, les gars. Hein. Amine. Ouais. Amine, réécoute son couplet dans Lorno. Réécoute le couplet Drake. Genre, c'est trop sale. Vraiment, moi j'ai des frissons quand il rappe comme ça. Genre, j'ai vraiment les frissons. Ok. Mais voilà. Mais en vrai, Take Care, pareil, enfin, je trouve qu'il y a des. Un peu comme toi, je trouve qu'en fait, il y a certains morceaux qui ont mal vieilli. Je pense que le morceau avec Burman et le morceau avec Nicki Minaj, je trouve que ça a mal vieilli. Mais le reste, en vrai, c'est. Bah, c'est phénoménal. Voilà. Puis bon, c'est le son auto bien nocturne. Genre, t'écoutes ça à 3h du mat dans une voiture, à Paris ou à Toronto, je pense que y a pas mieux. Donc voilà. Genre l'hiver. Donc voilà. Avec la neige et tout. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Exactement. Mais en vrai, je tiens quand même à dire, en vrai de vrai, More Life, moi j'adore ce projet. Je trouve que trop peu cité aussi. T'as un enchaînement Passion Fruit, les morceaux avec Georgia Smith et Madiba Redim, qui est incroyable, je pense, un de ses enchaînements en carrière. Oh là là, Madiba Redim. Ah oui. Ouais. Et il y a un autre morceau, il était en feat sur un morceau afro-caribéen également. Sur More Life? Non. Après. Après. Fontaines avec Tems? Non. Attends. Ah, je l'ai pas là. Come Closer de Wizkid. Ah ouais. Ok. C'était la folie. C'était le feu aussi. Ok. Donc, en vrai, More Life en vrai, 4ème, je pense. Et If You're Reading en vrai, bah pareil, en fait, ça joue. Enfin, pour moi, ça dépend de mes humeurs. Soit je peux mettre If You're Reading 3ème comme 5ème, tu vois. Et voilà, Odyssey New Roman 6ème. Et voilà. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup, frère. Mais juste, moi, Drake, en vrai, Amine, moi, je le mets top 10 all time, largement. Et en vrai, j'aurais bien aimé faire ton débat, mais je pense qu'on va pas le faire ce soir. Mais je le mets largement top 10. Mais parce qu'en vrai, si on parle de marquer la culture, je pense qu'il est dans le top 10. La culture rap, je pense qu'il a largement marqué la culture et il est dans le top 10 rap. Donc, on n'a pas évoqué un point, genre tu l'as pas évoqué toi, le point marquer la culture. Je pense qu'en vrai, il n'y a pas grand monde qui rivalise avec lui. Mais je peux t'en citer 10 qui ont marqué la culture. Ouais, mais je pense aussi que Drake a autant marqué la culture que tu vois. Et surtout, je pense qu'il a été porte-parole d'une époque, les années 2010, je pense, en termes de porte-parole de rap, oui, qu'est Kendrick. Et je pense que c'est plus Drake que Kendrick Lamar. Ça dépend, tu prends quel critère, mais si tu prends le critère de la popularité, bon, bah oui, ça va être Drake parce qu'il faut regarder les chiffres, quoi. Mais même en termes de rap, je trouve, en vrai, mec, les featuring qu'il offre. Les albums, moi je trouve que. Ouais, mais gros, tu vois, il a pas des albums qui rentrent dans les meilleurs albums de l'histoire. Bah, moi, franchement, The Single SM, si. Ah, gros, ça rentre pas dans un top 20. Hein. Je pense si, ça rentre. Franchement, si. On va pas rentrer dans le débat, mais moi je pense que ça arrive à l'histoire. Je pense qu'on en reparlera. Ouais, dans 10 ans, tu vois, on pourra en reparler. Mais même, je trouverai un nouveau sujet et je foutrai Drake dedans, vous inquiétez pas, y a pas de soucis. Okay. On va faire un Drake Kendrick, on va faire un truc comme ça, mais bon. Ils ont pas évoqué en plus quand Drake et Kendrick s'invitent sur des morceaux, tu vois, genre Fucking Problem et Poetic Justice. En vrai, je vois pas de gagnant, et en vrai, je trouve que sur Fucking Problem, sans déconner, je pense que Drake il est meilleur. C'est le meilleur. En vrai, t'as la tête de Kim Chance qui est très forte, Poetic mais Justice, en vrai, entre Kendrick et Drake, je sais pas. Mais d'ailleurs, Poetic Justice, moi je skip maintenant sur Good Kid, Mad City. Ah ouais, bro, pour moi, j'adore le morceau, moi. Pour moi, Fucking Problems, mais ça saute aux yeux que c'est Kendrick qui est au-dessus de tout. Non, pas moi, je te jure. Le coupé Drake, en vrai, il me... Mec, quand je l'écoute, je me lève et je saute à chaque fois. Vraiment. Alors que Kendrick, en vrai, moins, tu vois. Il a moins cette folie qu'il y a Drake sur le morceau, je trouve. Mais non, je trouve que Kendrick a justement plus de folie dans ses flows. Moi, je trouve que non. Moi, je trouve que c'est Drake. Il en veut trop, ce morceau. Il faudrait qu'on fasse un direct... On analyse les deux couplets, et pour parce que pour moi,
c'est, enfin, ça saute aux oreilles que Kendrick est plus, plus, je sais pas, il y a plus de fulgurance, plus de dextérité dans son flow. Je sais pas, il fait des stop and go et tout. C'est bizarre, mais vraiment. Non, moi je te dis la vérité. Genre pour moi, c'est genre une évidence. Genre c'était il y a une semaine, j'avais fait un tweet là-dessus. Enfin, quelqu'un avait parlé de ça et tout. Et j'avais rebondi là-dessus. Pour moi, c'était la première fois que j'ai vu que ouais, il y a des gens qui pensent que Drake est meilleur. Ah non, c'est sûr qu'il y a pas de gens qui pensent ça. Je te jure, c'est la première fois que je voyais ça, mais c'était la première fois que je le voyais, mais ça veut pas dire que les gens n'en parlaient pas avant, attention, hein. Parce que pour moi, j'étais persuadé qu'on était tous d'accord pour dire que Kendrick avait le meilleur couplet. En gros, le vrai roi du morceau, c'est Two Chainz, je crois. Ouais, pour moi, c'est le vrai roi. Ouais, et ensuite, c'est les deux. Ouais, peut-être, je sais pas, pour moi, Kendrick, il est sur une autre planète, mais bon. Ok. Mais moi j'adore Kendrick aussi, hein. Franchement, c'est mes deux rappeurs préférés, Drake et Kendrick. Hein. Donc, ok, ok, bye. En même temps, j'ai 21 ans, donc voilà. Merci beaucoup d'être passé. Ouais, est-ce que je peux dire un petit truc? Bien sûr. Bah, moi, j'ai un média rap sur Twitter. Oui. T'as eu mon collègue d'ailleurs pour le débat de Drake. Autotune, exactement. Voilà, donc en vrai, si les gens peuvent aller checker un peu ce qu'on fait. Donc voilà. Je vais mettre le lien sur le chat. Autotune. Mais je vous trouve. Attends. Ouais, t'avais partagé. Je crois que t'as partagé quand on a. Moi, j'avais posté. Donc, en The Game, il avait invité Drake à Compton, je crois, sur un de ses morceaux. Mm. Et je l'avais partagé, je crois. Ouais, mais attends, c'est quoi le at @ autotune. O-T-A-U-T-U-N-E. Ah oui. O-T-A-U. Ouais, c'est pas comme l'autotune, le logiciel. Ouais, non, mais c'est bien, bah oui, sinon, impossible de vous retrouver. Comme ça. Ok, tac. Je mets ça. Dans le chat, hop, voilà. Bah, force à vous, comme le dit Arthur, continuez votre projet. Ah, bah merci beaucoup. Ouais, bah on va faire. Je pense qu'il y a des trucs qui arrivent en plus, ça va être sympa. Bah écoute, parfait alors. Ok. Bah merci beaucoup, Amine. Passe une bonne soirée, frérot. Toi aussi. Allez, ciao. Ciao. Ok, la famille, merci beaucoup d'avoir été présent. On remercie MFA, le GOAT des graphistes, pour avoir été présent côté technique. Sur YouTube, n'hésitez pas à nous mettre votre top 3. La rediffusion, de toute façon, je vais la foutre demain, hein, je suis obligé. Je mets ça demain, en anticipation de l'album qui sort vendredi. Évidemment, du coup, il y aura la première écoute. Et évidemment, il y aura... une vidéo comme pour Utopia, peut-être quelques jours ou une semaine après l'album, pour que vous puissiez venir nous donner votre avis sur le nouvel album de Drake, For All The Dogs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, donc qui sont en haut. Je le répète, en plus, l'habillage Twitch fait par MFA, donc voilà. Et c'est pas fini, il y a d'autres trucs qui arrivent. C'est pas fini, il y a d'autres trucs qui arrivent. Désolé Macao, effectivement, on arrive sur la fin. Mais dimanche, direct également, je spoil ici, top 5 des meilleures intros 2010. Donc préparez votre top 5 des meilleures intros 2010 si vous voulez participer. Ce sera aux alentours de 14h, je pense, plutôt que d'habitude. Voilà. Donc en termes de direct, il y a ça qui est prévu. Puis il y aura le direct. Qu'avez-vous pensé de All the Dogs, qui arrivera au milieu de la semaine prochaine, après la première écoute, pour qu'on puisse en parler tous ensemble. Allez, peace. Et je ferai, alors oui, Macao évidemment, je ferai un direct avant l'attaque des clones. Puis il y aura la première écoute. Et il y aura un direct après l'attaque des clones pour que vous donniez votre avis. Et effectivement, Yas Boy, live gaming tous les jours. Bon, sauf ce soir, mais du coup, chaque jour où il n'y a pas un live rap, il y a un live gaming. Donc, je ferai Métro Futur, je ferai pour tous les gros albums. Voilà, comme ça, c'est fait. C'est sûr, comme ça. Paix sur vous, la famille.